Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Nexomon. Alors, j'ai attrapé, hop, équipe, les deux qu'il fallait, il me semble. C'est Griff et Driver. Voilà, donc j'ai fini par l'attraper. Celui-là était assez rare, hein, j'ai mis un moment. Vous voyez d'ailleurs que du coup, à côté, niveau 19, 19, 19, 17. D'ailleurs, celui-ci a évolué. Voilà, vous ne l'aviez pas vu, il a évolué pendant que je cherchais. Et j'ai mis Lume. Et il a aussi évolué, et je trouve qu'il a quand même assez la classe. Du coup, j'ai remplacé le scorpion que j'avais. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai fait entre-temps, sachant que je ne suis pas allé plus loin qu'ici, hein, bien évidemment, je ne voulais pas avancer le jeu sans vous. Donc on va retourner voir l'arbre. Ah, Nassara, tu es de retour. Alors, tu m'as apporté un driver et un griffe? J'ai de merveilleux présents pour toi, mon cher. Donc la clé et des noyaux, bon les noyaux, peu importe. Comme c'est merveilleux, comme c'est magnifique. Merci, Nashara. Ce seront mes meilleurs amis pour toujours. J'espère échanger encore avec toi à l'avenir, Nashara. Avec mes nombreux présents et tes mains, on peut tout faire. Tout. Mais pour l'instant, je veux passer du temps avec mes nouveaux amis. On va sûrement se revoir. Tellement flippant cet arbre. Essayons de ne plus trop y penser. Je suis d'accord. Je peux y retourner ou... Oh, Nashara, tu es revenu. Malheureusement, je ne souhaite rien en particulier en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je suis sûr que nous ferons de nombreuses affaires ensemble à l'avenir. Ok, donc ça c'est fait. Alors malheureusement, là, il va falloir qu'on se fasse un petit retour vers un médecin. Pourquoi? Eh bien déjà parce que mon équipe, vous l'avez vu, est en PLS. Et j'aimerais récupérer mon autre bout d'équipe. Bien évidemment. Il y avait de quoi échanger ici. Ah non. Non, non, non. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on revienne à la cité. Et qu'on aille chercher du coup ceux qui me manquent. Donc on va mettre qui? On va mettre qui? Hop. On va aller récupérer du coup Ouzi, bien évidemment. Hop, on va remettre Ouzi. Et j'ai une place. J'ai une place. J'ai une place. Ça, c'est vrai que j'avais viré Fendioz. Parce qu'au final, Rapnux fait des attaques d'air. On pourrait mettre Grado. Je pense qu'en attendant de trouver mieux, je vais mettre Grado. On pourrait même le mettre en first. Et on va se soigner. Et du coup, maintenant, eh ben, il faut qu'on avance. Hop. Alors, c'était où, Orphelina? Donc, c'était en bas. Et... On est reparti, alors les dresseurs je vais pas les refaire là. Je les ai refaits déjà plusieurs fois en passant. Et on va continuer d'explorer. Bon, je pense que j'ai attrapé à peu près tout ce qu'il y avait à attraper dans ces herbes. Il me manque peut-être un rare, mais bon, pas grave. Ok, donc il me semble qu'on avait deux chemins, on pouvait aller en haut ou en bas. On peut aller là-haut et on peut aller en bas. J'ai pas une carte. Inventaire, profil. Non. Bon bah on va aller voir en haut déjà, qu'est-ce qui s'y cache. Ok, ici il y a un combat éventuellement et je suis passé trop près. Ah, les fantômes ne sont pas si méchants. Ils ne sont pas vraiment si effrayants que ça. Ouais, c'est vrai, les fantômes ne sont en fait pas démoniaques ni... Un chat qui parle, qu'est-ce que c'est que ça? Va-t'en, hideuse créature. Bien évidemment. C'est quoi celui-là? Sunnos. J'ai pas vu celui-là. Du coup, obscurité, est-ce que c'est efficace contre lui? Non. Enfin, je pense pas. Si. Ah, si, les deux types là s'opposent, d'accord. Ouais, enfin bon.
Grado va quasiment être mort déjà. Et ça, on a Gomar. Il me semble que la foudre était bien. Ça, c'est raté. Donc, on va aller lui faire ça. Et elle en a un troisième. Un troisième qui est de type spectre, qui est joli, Foxdra. Ok, plein qu'on n'a pas vu du coup. Je me souviens que le feu était très bien contre eux. Alors j'ai quoi comme feu? On va faire incinération. Et voilà. Petit level up de Grado. Ouais. Et Lumfer aussi. Bien. Ne t'approche pas de moi, s'il te plaît. Les chats ne devraient pas parler, ce n'est pas naturel, tu me fais peur, va-t'en. Ce monde est troublant. Je suis d'accord. Donc ici, oh, on peut la tombe. Bon, la pillon, les morts, hein, y a pas de respect ici. Ok, des éclats. Bon, là, ça bouge, tout ça, je le ferai plus tard. Hein. Je reviendrai capturer. Et là, on arrive à un pont. D'accord, aïe. Un pot-pot. On n'en a pas de pot-pot. Eh bien, capturons le pot-pot. Alors, j'aimerais ne pas te tuer. Le critique qui a failli, quand même. Hein. Alors, hop, 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 hop. Oh! Oh, et du coup, Grado qui y passe. Bon, on réessaye. Tac, 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 tac. Mais il est à 5 PV. Allez, on y croit. Tac, 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 tac. Ah, ça y est. Ok. Pot-pot est considéré comme un exomone amical et appréciant vraiment la compagnie humaine. Bah, très bien. Mais on te voulait pas à l'origine. Il y a un pont ici. Il y a un pont là-haut. Ouais, quelque chose me dit que c'était là-haut que je devais aller. Stop! Aïe. Lâchez-moi, dresseur de la guilde. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'avez-vous pas arrêté la voleuse? Qu'est-ce qu'elle vous a pris? J'ai oublié. Oh, bonjour, je m'appelle Liam, quoi de neuf? La voleuse, qu'est-ce qu'elle vous a pris? Quelle voleuse? Dites, avez-vous vu une lettre tomber dans le coin? Donc la voleuse a volé votre lettre. Quelle lettre? Au fait, avez-vous vu une lettre tomber dans le coin? Une voleuse a pris votre lettre. Quelle lettre? Au fait, avez-vous vu une... Allons juste trouver la lettre de ce type, Nachara. Cette voleuse doit être quelque part dans la cité devant. Quelle lettre? Ouais, tu donnes pas beaucoup de trucs intéressants. Tutoriel. Tu viens de recevoir une quête optionnelle. Tu peux suivre les quêtes secondaires dans le journal. Les quêtes comme celle-ci ne sont pas nécessairement liées à l'histoire. Ok, je voulais pas combattre. Ah, je l'ai pas celui-là, Brumtler. Heureusement que c'était pas efficace, j'ai failli le flinguer. Eh ben, je l'ai flingué, malheureusement. Tant pis. Je reviendrai faire les captures plus tard. Est-ce que par là on arrive sur l'autre chemin du coup? Là il y a une quête, là il y a un combat. Oui, ça je crois que c'était l'autre chemin. C'est ça, on est à l'autre chemin. Du coup on peut piller les tombes et le fantôme a une quête aussi. Ah
Un anti-confusion, pas mal. À l'aide, à l'aide! Sans ton aide, mon âme ne sera jamais capable de se reposer. Car j'ai une affaire non terminée dans ce monde mortel. Qu'est-ce que vous avez besoin qu'on fasse? Tu dois supprimer mon historique de navigation à tout prix. S'il te plaît, tu seras récompensé, c'est sûr. Mon ancienne maison est quelque part dans la citadelle au nord. À l'intérieur, tu trouveras un ordinateur, et alors? Ouais, on est en route. Ouais, pas fou les récompenses. Étoile atteint, combat, et ça a l'air de continuer par là. Waouh, tu m'as fait peur. Quel est ton problème, hein? Tu veux te battre contre moi, hein? Quoi? Non, on n'a pas... On se bat alors, espèce de dingue. Tout le monde qui veut nous agresser. Inductar. On va changer, on va mettre Lumfur. Voilà. Qui est ma foi très efficace. Hein. Rapub. Ça marche le feu sur eux? Ça marche. Et un miné. Hop. Ah, du 2 PV. Voilà, c'est réglé, c'est dommage, j'aurais bien aimé que Grado soit vivant, il aurait touché de l'XP. Oh non, s'il te plaît, laisse-moi partir, j'arrêterai de chercher la bagarre, je le jure. Ok, là il y a une maison. Donc on a un éclat fantôme. On a un éclat de feu et on va aller voir ce qu'il y a dans la maison. Ok, pour l'instant c'est juste une maison comme ça, à mon avis il faudra y revenir plus tard. Porte-monnaie de cupidité. Qu'est-ce que ça fait? Inventaire, ce sera un objet clé. Avoir cet article dans ton inventaire fait que les batailles rapporteront 10% plus de pièces, cela peut être cumulé. Mais oui. Mais oui. Ok. Donc on va toucher plus d'argent, ça c'est bien parce que j'en manque un peu pour acheter les nexotrapes. Bon du coup là faut aller à la forteresse. Une ville qui m'a l'air encore assez grande, on va s'amuser. La citadelle immortelle. Cet endroit est connu sous le nom de Citadelle Immortelle. Il y a des siècles, la malédiction d'une sorcière a transformé les habitants d'une petite cité en volute. La malédiction n'a jamais été levée et le nombre de fantômes a continué à augmenter. La plupart d'entre eux s'y sont habitués et mènent des vies normales, tandis que d'autres sont devenus complètement fous. Ok. Nous devons trouver la médium de cette cité pour examiner ta relique. J'ai entendu dire qu'il y avait une sorte de marché dans le coin. Je me demande s'ils vendent des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Alors, déjà, on pille. Ah, tu es de la guilde, n'est-ce pas? Moi aussi. Je suis venu jusqu'ici pour comprendre la malédiction qui afflige ces gens. Mais la guilde ne peut pas dépenser trop de ressources là-dessus à cause des tyrans. Alors, on cherche une maison aussi. Hein. Oh, s'il te plaît, ne fais pas attention au bazar. Chaque maison dans cette cité est comme ça. Nous sommes des fantômes, après tout. On a laissé tomber le rangement il y a longtemps. Fais attention là-dehors, certains dresseurs fantômes s'ennuient tellement que maintenant ils défient tout le monde. Les dresseurs vivants font pareil. Petit éther. Alors, on va se garder les ponts pour après, je pense, on ira voir de l'autre côté après. Cet endroit n'est-il pas fascinant? Comment est-ce que ça marche? La guilde essaye de comprendre l'infâme magie qui a maudit cet endroit depuis des siècles? Alors, oh bonjour mon cher, n'es-tu pas un peu jeune pour te balader autour de cette cité glauque? Tu devrais être dans un endroit plus agréable comme Parou, mon cher. Non. Je me sens si mal pour les citoyens de cette ville, être maudit depuis si longtemps, ça doit être horrible. Mais ils ont certainement tiré le meilleur parti, tu ne penses pas? Cette ville ne se fait pas souvent attaquer, sans doute parce qu'il n'y a rien à voler dans le coin.
C'est génial, j'adore comme la vie est simple par ici. Donc il y a pas mal d'humains qui vivent ici encore a priori. On a un marché dans cette ville, avec de la chance, tu trouveras des marchands itinérants avec des nexotrapes rares. Un sifflet électrique, bien, on en avait déjà un je crois. Les nexotrapes fantômes ont plus de chances de capturer des nexonomes de type fantôme. Mais ils ne sont pas faciles à fabriquer, donc ils sont assez chers. C'est mieux de les fabriquer soi-même. Je ne sais pas comment, par contre. Je suis content que ce monde soit habitué aux fantômes et autres. Maintenant, on peut explorer autour et faire des trucs avec les vivants. Ce n'est pas si mal. Bouh! Je m'ennuie tellement. Hop, on enregistre la gemme dimensionnelle, voilà. Comme ça, on est où là? Citadelle immortelle, ok. A priori, on pourra continuer vers l'est. On pourra continuer vers l'est. Donc c'est ça, la suite du village. On sera à droite, je pense. Si tu suis la route vers l'est, tu atteindras éventuellement Solus le désert. Oui, Solus. C'est bien le nom du fameux tyran de la lumière mythique. Mais c'est juste une histoire pour s'endormir, ça n'existe pas. Potion. Tu es un dresseur de la guilde. Je suppose que la guilde embauche n'importe qui de nos jours. Enfin voyons, comment es-tu censé aider à battre les tyrans? Même si ce sont des fantômes, ils peuvent encore capturer et entraîner des nexomones. Alors un bon nombre de marchands viennent de temps à autre vendre des nexotrapes et autres. Il y a un marché à l'est si ça t'intéresse. Ok. Ouais, bien sûr mon pote. Entrez par effraction chez moi. Je suis un fantôme donc je ne peux pas t'en empêcher. J'ai plein d'objets sympas par là, va les prendre champion, prends tout, pille ma maison, vas-y. On a vu, il y a un piège. Ah, il y a une quête déjà, ah, la voleuse. Vous m'avez suivi jusqu'ici? On veut juste récupérer la LED voleuse. Je m'appelle pas voleuse, mon nom est Anna, et vous ne devriez pas être en train de combattre des tyrans ou quelque chose comme ça? Cette lettre est la mienne, alors allez-vous-en, voyou. Un croncho. Ça, on a ce qu'il faut. On a notre petit Woozy. Hop, mince. Je me suis raté de technique. Pas grave, elle marche aussi. C'est ça que je voulais utiliser, voilà. Une araignée dégueulasse. C'était l'eau. Je me suis raté. Oui, je me suis raté. Pourquoi il est descendu de deux cases? Voilà, c'est pas compliqué. Je suis tellement sûr de gagner que je fais n'importe quoi. Hein. Je change 18 fois de Nexomon, mais tout va bien. Hop, et prends ça. Voilà, toi c'est réglé. Et tu sors ça, on va ressortir du coup de la foudre l'Ovinu. Aïe! Tu fais mal? On va mettre l'humfur. Eh ben, tiens, prends ça. On va voir si t'apprécies. Voilà, hein? Non mais. Ok. Tu vas payer pour ça. Lettre volée. Oh, on a la lettre. On devrait la rapporter à cet homme. J'espère qu'il est toujours là. Ok. Et on peut piller la maison, du coup. Alors, est-ce qu'on ramène la lettre tout de suite? Sachant que ça a l'air de continuer à gauche, là, puis ça continue en haut. Ah, là, on a l'air d'avoir un cimetière. Et ça continue en haut. Et ça continue à gauche. Et ça continue en bas. Ok, par là, ça continue peut-être un peu trop.
Donc nous, on va déjà aller en bas rendre la lettre. Bonjour étranger, avez-vous retrouvé ma lettre ? Ouais, on l'a récupérée pour vous. Une voleuse appelée Anna l'avait prise. Anna ? Quelle coïncidence, c'est le nom de la destinataire de cette lettre. Pardon ? La destinataire est une femme appelée Anna. Je réprime beaucoup de choses là tout de suite. Ce type lui a distribué la lettre et a juste oublié. Oh, vous avez rencontré Anna ? Vous pourriez lui distribuer la lettre, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Ça va être très embarrassant. Bon, faut qu'on aille rendre la lettre à Anna, du coup. Qu'on vient de tabasser. Elle était là. Hop. Hey ! Quoi de neuf ? Voici ta lettre, Anna. Merci. Le facteur a des problèmes de mémoire. Ouais. On devrait y aller maintenant. Ouais. Ok, donc cette quête-là, c'est fait. Hop. Bon, bah on continue notre exploration de la forteresse. Alors ici... Droit devant, il y a le manoir d'Elisa. C'est une médium puissante qui va peut-être un jour lever la malédiction qui s'est abattue sur notre peuple. Elle est jeune et imbue de sa personne, mais je suis sûr qu'elle pourrait y arriver un jour. Pauvre type, tu imagines être transformé en volute par une malédiction pendant des siècles ? Hey Nachara, remontons leur moral avec un banquet de merveilleux gâteaux et les meilleures viandes. Tu n'y as pas bien réfléchi, pas vrai ? Mais il y a un sifflet fantôme, donc d'accord, on va donner de la bouffe au fantôme, j'approuve. Ça c'est verrouillé. Et ici c'est verrouillé, ok. Donc en haut, c'est le manoir. Du coup, on va aller fouiller ici. En premier lieu. Ah, on est ressorti là. Après, il y a des éclats, donc on va pas se plaindre. Ah, on a un combat là devant. Il m'a pas agressé. Bah si, c'est pas merveilleux ça. On va où là? Ah! Bah oui, sifflet plante. Le fameux chemin qu'il y avait, on savait pas comment y arriver. Ok, bah écoute, on va faire ton combat. Hein. Trois cailloux là en bas à droite. Génial, juste quand je pensais avoir trouvé un endroit calme pour me détendre, tu débarques. J'ai eu assez de distractions ennuyeuses, va-t'en. Alors, on va commencer par taper avec toi. Tant que Grado a un peu de vie. Même si on n'est pas sûr de le garder. Hop, et là on switch. Bon, il en a tué un, hein, c'est déjà bien. Et il aura l'XP du deuxième aussi. Hop, toi t'es mort. Et toi t'es mort. Voilà. Bien, bien, fais ce que tu as à faire rapidement. Avec tout le chaos dans ce monde, c'est dur de trouver un endroit pour se détendre. Hop, et on est remis full vie. Je voulais pas tomber sur lui, mais c'est pas grave, on l'a pas. Un Oga. Hop, Nexotrap. Tac, 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 tac. Bah, bien évidemment. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu un du premier coup. Ce jeu le fait exprès pour que je dépense mes sous. C'est bon, là ? Ouais, c'est bon. Donc, Oga capturé. Alors, même s'ils vivent principalement sous l'eau, les Oga sont considérés comme des Nexomon plantes. Ils aident aussi à garder l'eau propre. Oui, parce qu'en fait, dans ce jeu, c'est vrai que j'ai remarqué, il n'y a pas de double type, en fait. Enfin, a priori. J'en ai pas vu, j'ai regardé un peu la liste, donc... bah oui, donc ça c'est un peu dommage, je trouve. Folicurse, celle-là, on va la capturer. Du coup, forcément, il peut pas être plante haut. Tac.
J'espère que pour le troisième épisode, ils penseront à mettre les double types, parce que ça change quand même beaucoup de choses, je trouve. Hein. Ça rajoute un aspect stratégique beaucoup plus poussé. Là, il n'y a pas vraiment de suspense. Vu qu'il n'y a qu'un type, les tableaux de justement de type sont pas difficiles à retenir. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Folicure s'aime qu'on le laisse tranquille. Si tu entres dans une maison hantée par lui, prépare-toi à vivre une véritable expérience paranormale. Mais on l'envoie au groupe. Oh, stockage. Hop, nous on venait chercher tout ça. Voilà, on se fait quelques éclats. Et on est bon. Ok, éventuellement ça va en haut, mais ça va à gauche aussi. Ah, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce qui se passe ici, j'ai pas envie de trouver. Chaque cité a sa propre spécialité. Ici on a des super potions et aux îles Drake tu trouveras les meilleurs nexotrapes. Mes amis sont tellement effrayés par cette ville qu'ils me demandent de venir leur acheter des potions pour eux. C'est quoi le problème? Les fantômes sont assez communs de nos jours. Il y a une grotte à l'est. Si tu as une pioche, tu peux y trouver plein d'éclats élémentaires sympas. Certains dresseurs sur la route pourraient être intéressés par acheter tes éclats à un bon prix. Ces types sont en train de faire quelque chose de très étrange. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça continue par là. J'irai voir, hein, bien évidemment. Il n'y a rien, là. Bon sang, cet endroit est affreux. Je voulais te stationner à Palmaya à la place, moi. Tac. Merci, je peux passer. Un petit éclat de l'océan. Bonjour, papy. L'arbre qui parle, évite-le à tout prix. À tout prix. D'accord. Un compagnon. Oh, bon, on aime bien notre petit chat. Donc l'arbre qui parle, il y a un truc qui va pas avec lui. Mais on l'avait deviné. En soi, on l'avait carrément deviné. Alors tu vends quoi, toi? Des potions? Bienvenue, bienvenue à tous. Dis, es-tu fatigué de la qualité dégoûtante des potions de nos jours? Dans notre camp, on ne prépare que les meilleures concoctions pour tes aventures. Oui, méga, d'accord, ultra renaissance, oui. Donc là, on a la super vendeuse de potions de la mort. Ah, ici, on sait pas. J'ai pas vu de médecin encore, peut-être à droite, vers le... vers les ponts et le marché. Peut-être... ouais. Plein de gens viennent ici, vivre ici, en fait. On pense que les fantômes effrayants et autres pourraient dissuader les tyrans. Et pour être honnête, j'en ai pas encore vu beaucoup dans le coin. Et ici, on a un exotrap. Ah bah c'était là la quête. Suppression de l'historique de navigation. Historique de navigation supprimé. C'est stupide. Retournons voir ce fantôme. Tu veux y aller maintenant? Oui. Ah, c'est gentil ça d'avoir mis le TP. Vraiment, tu l'as supprimé. Nashara, je t'en suis éternellement reconnaissant. S'il te plaît, accepte ceci en tant que paiement. Merci. Je peux enfin reposer en paix grâce à toi. Ok. Cool ta vie. Pourquoi je suis venu là, moi? Si, c'est en haut là qu'on repart. Hop là, ça c'est déjà revenu, voilà. Et bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Voilà, on va se mettre là. Et nous, eh bien c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.